بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. في هذا الفيديو الجديد غنشوفو لا نومنكلاتور، يعني لي نون سيستيماتيك اون شيمي اورغانيك. نومنكلاتور سا فو دير لي نون ديال كيلك موليكول اون شيمي اورغانيك. في هذا الفيديو سانتيريس سولمون او زالكان لينيير، لي سيكلو الكان اي لي زالكان راميفي، دونك افيك دي زيكزيرسيس. Bien sûr. La première chose, on va définir c'est quoi alcane. Je pense que alcane, que sont des alcanes. On a des hydrocarbures. Qui se composent de carbone. Carbone, les atomes de carbone, il y a les rendus au carbone, et d'hydrogène saturé. Est-ce que tu es saturé? Il y a le carbone, il est relié, fait 4 liaisons. Carbone avec 4 liaisons simples. Hydrogène, donc ici carbone, hydrogène. Fait une seule liaison et bien sûr un truc simple. La deuxième chose que représente l'alcane, il y a la chaîne représentant l'alcane, la chaîne carbonée est ouverte, yani pas de cycle. L'anneau est ouverte, yani ne fait cycle, pas de cycle. Puis puisqu'on parle seulement des alcanes normaux, yani pas de ramification, je vous c'est quoi ramification, il y a un jadr ramification fait de l'alcane. Donc exemple, un ardo CH3, CH2, CH3. C'est un alcane. Mais elle m'a donné le nom, dialogue bien sûr, c'est un alcane. L'ENA, qui a fait chorot, pas de cycle, pas d'insaturation. Yani, les liaisons sont, tous les liaisons sont simples. Et la chaîne carbonée est ouverte, elle n'a pas le cycle, ou pas de ramification. Ramification, donc un autre exemple. Donc, c'est un alcane normal. Donc, ici, CH3, CH2, CH3, CH3. C'est un alcane ramifié. On l'appelle alcane ramifié. Un alcane ramifié, il n'y a qu'une ramification. Bien sûr, le type des alcanes ramifiés, je vais offrir la deuxième partie. Maintenant, comment on nomme un alcane normal? Pour les alcanes normaux, le nom de l'alcane, donc le nom de l'alcane se compose de le corps du nom, c'est-à-dire le nombre qui caractérise le nombre de carbone, les atomes de carbone, le nombre de carbone dans la chaîne. Puis j'ajoute le suffixe, yani suffixe homa quelques lettres les kajou après le corps du nom, le suffixe an. Exemple,
Là, on va essayer de d'écrire tous les alcanes jusqu'à 10. Il y a le nombre de carbone. Hein? On a dit le nombre de carbone. Dans le nombre de carbone. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Donc, principal 1. La formule semi-développée, on a le nom de l'alcane. Le nom de l'alcane. Donc, si le nombre de carbone est égal à 1, donc j'aurai CH3, bien sûr. Quand alpha, bien la C, elle forme 4 liaisons. CH4, elle forme 4 liaisons. Donc, le nom fait de l'alcane, il s'appelle méthane avec le suffixe an. Si le nombre de carbone est égal à 2, j'aurai CH3, CH3 qui s'appelle éthane. Éthane. Pour le nombre de carbone est égal à 3, CH3, CH2, CH3, il s'appelle propane, toujours préfixe an. Si le nombre de carbone, bien sûr, c'est le nombre de carbone est égal à 4, yani j'aurai CH3, CH2, CH2, ici c'est 3. CH2, CH3. Il s'agit de butane. Butane avec préfixe an. 5. J'aurai CH3, CH2, CH2, CH2 et CH3. Il s'agit de pentane. Pentane. Donc directement Nisbel 6. Nisbel 6, directement le nom s'appelle hexane. Nisbel 7, il s'appelle heptane. 8, il s'appelle octane. 9, c'est nonane. Et finalement, 10. Et s'appelle décane. Voilà pour les noms des alcanes normaux. Maintenant, les alcanes sous forme de cycle s'appellent cyclo pour cycloalcane. Cycloalcane. Les cycloalcanes. Le nom des cycloalcanes qui est écrit à la chèque. Tout d'abord, le préfixe qu'on a d'aïmane cyclo. Plus le corps du nom. Plus suffixe an. Exemple, alors on se met chacun, par exemple, voilà, c'est quoi le nom de l'alcane? Bien sûr, le nombre de carbones constituant de l'alcane, le cycle alcane, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il s'agit de 6, c'est-à-dire il s'agit de hexane. Mais j'ajoute cyclo, donc le nom c'est cyclo hex. J'ajoute préfixe an, c'est-à-dire cyclo hexane. Un autre exemple, donc exemple 1, exemple 2, avec 5 atomes, là 1, 2, 3, 4, 5.
5 atomes de carbone, le nombre de carbone est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je commence par cyclo, puis je suis le tableau, je vous 5. Le 5, c'est-à-dire le corps ici c'est pent et j'ajoute an, cyclo, cyclo, pentane. Une petite remarque, l'ardobenna à partir à les deux éléments, on ne peut pas faire un cycle. Yani le cycle qui est à partir de 3, 3 atomes de carbone, c'est-à-dire Ebda, l'article 3, un autre exemple, 3 atomes de carbone, un cycle. Donc, le carbone ici, elle s'appelle cyclopropane. Troisième point, la vidéo prochaine, Inch'Allah, il y a les alcanes, alcanes. Il y a un très important, notre vidéo alcane avec ramification, ramification, notre vidéo, la vidéo prochaine, Inch'Allah. On a besoin d'un calme avec l'Oustad Khalid Naji. Ne vous souciez pas de partager la vidéo avec vos amis et de vous abonner à la chaîne de l'Université de Physique. Assalamu alaikum.